Allez-y pour un deuxième même. Impeccable. Ce qu'on appelle planification patrimoniale, c'est en fait un ensemble de techniques de planification fiscale, de planification successorale et de techniques de protection du patrimoine. La planification patrimoniale va permettre à une personne ou à une famille de structurer son patrimoine de telle sorte qu'elle puisse développer celui-ci et le transmettre à la génération future, et ce, de la manière la plus optimale possible. L'avantage de la planification patrimoniale, c'est qu'elle va permettre de prendre en considération tous les paramètres liés à la situation familiale, au patrimoine et aux réglementations applicables, et d'aboutir ainsi à la mise en place de structures patrimoniales adéquates. Celles-ci vont permettre d'une part de protéger le patrimoine en limitant par exemple tout conflit éventuel entre des époux ou des héritiers, va permettre aussi de transmettre le patrimoine à la génération future tout en assurant aux parents d'en conserver le contrôle et les revenus, et de limiter légalement les impacts fiscaux tant au niveau de l'impôt sur le revenu que de l'impôt successoral. Tout d'abord, une bonne planification patrimoniale ne s'envisage que sur le patrimoine global. Un bilan patrimonial reprenant l'ensemble des actifs et des charges de la famille s'impose donc. Celui-ci permettra d'avoir une vision claire du patrimoine avant toute proposition de structuration. Ensuite, les objectifs de la famille doivent être clairement définis, tant au niveau de la croissance et du développement du patrimoine que de son degré de protection et de sa transmission. Enfin, une planification patrimoniale réussie doit être mûrement réfléchie et doit être mise en place avec l'aide d'experts en la matière. La planification patrimoniale est un ensemble de techniques de planification fiscale et successorale qui vise à optimiser le développement et la transmission de votre patrimoine. La planification patrimoniale permet de protéger, structurer et développer votre patrimoine, de limiter les impacts fiscaux liés à l'impôt sur le revenu ou l'impôt successoral, de simplifier votre succession et d'éviter les conflits entre héritiers. Pour être efficace, la planification patrimoniale doit être envisagée sur l'ensemble des actifs. Les objectifs peuvent ainsi être clairement définis en termes de développement comme de transmission avec un expert en la matière.